Un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Rappeler que tu es venu il y a plus de 2000 ans pour nous donner la vie. Et aujourd'hui, c'est un peuple qui t'aime qui vient chanter cette chanson. Nous nous rappelons que tu es venu par amour et que par amour, tu as tout donné. Reçois notre amour en retour.
chrétiens, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tache originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends. Briser toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Et il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qui enchaînait le feu. Il lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Oh, peuple debout, et chante. Cet amour vient te rejoindre, mon ami. On aimerait juste que tu puisses adorer avec nous comme les anges l'ont fait il y a plus de 2000 ans. Tomber le genou, ouvrir notre cœur à cet amour. Car lui seul est digne d'être adoré, les amis. Hey! Alors, on chante ensemble. Je tombe à genoux. Je tombe à genoux.
L'infini, on rêvait d'un monde meilleur.
Seigneur, d'amour vrai, et tout a changé dans nos cœurs à jamais. J'entends le chant qui toujours résonne, espoir du monde est parmi les hommes. J'entends le chant, l'hymne de vie qui célèbre l'enfant promis. C'est Noël. Au bout du chemin dans la nuit, la lumière, trésor des cieux inestimable. Pour la terre, au petit enfant dans l'étable, tu es grand, bonheur à qui ouvre son cœur maintenant. Jésus, Dieu se révèle, c'est Noël. Berger, quittez vos retraites
Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous un excellent Noël. Est-ce que vous entendez cette voix qui résonne dans les cieux et qui dit « Gloire à Dieu ! » Il se passe quelque chose parce qu'un sauveur est né, un sauveur vous est donné. Et les anges crient « N'ayez pas peur !» C'est une excellente nouvelle. À cette époque-là, la province romaine de la Judée est sans dessus dessous. Il y a des tensions politiques. Il y a des tensions très fortes parce que le tyran qui est en charge du gouvernement, qui s'appelle Hérode, est sur le point de mourir. Et il est en train de transférer son autorité au général romain Quirinius. Alors que les hommes rêvent d'un espoir de changement politique, Dieu a quelque chose d'autre prévu pour eux. Cet enfant qui vient de naître et qui va faire partie du recensement de ce général romain n'est pas un enfant comme les autres, parce qu'il est à moitié humain et à moitié divin. Il a à la fois toutes nos caractéristiques humaines, mais il est venu de Dieu. Et je voudrais vous dire que souvent, on aspire au changement, mais on aspire au changement dans des choses concrètes sur la terre, à condition que les autres soient amenés à changer. Et le changement politique, c'est toujours de penser que les autres font mal les choses. Et cette nouvelle que les anges annoncent n'est pas une nouvelle d'un changement politique, mais c'est d'un changement de cœur et des individus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors à un moment, on peut croire que ce changement est politique, parce que le monde a plein d'idées. Est-ce que tu vas te laisser transformer à l'intérieur par un vrai changement de cœur, ou est-ce que dans cette soirée de Noël, tu vas vouloir que ce soit les autres qui changent? Hérode va refuser le changement. Les Romains vont refuser le changement. La plupart des religieux de l'époque vont refuser le changement. Et pourtant, c'est un espoir extraordinaire qui est né ce jour-là à Bethléem. Imaginez ce qui se passe. Un sauveur vous est né. Quel est ce sauveur? Ce sauveur, Jésus, ne ressemble pas à tout ce que nos préjugés peuvent comprendre. Nos préjugés nous disent, et c'est comme cela, est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il est noir? Ni l'un ni l'autre. Vous voyez, cet enfant qui est très humain, il a des caractéristiques très humaines. Donc on veut se retrouver en lui. Mais il est ni noir ni blanc, il est certainement métissé. C'est un fils sémite. Et donc il est certainement de ce mélange du Moyen-Orient. Est-ce qu'il est beau? Même pas, c'est même pas un beau bébé. Parce que le livre d'Ésaïe nous dit, il n'a aucun éclat pour attirer les regards. Mais alors, qui est cet enfant? Cet enfant, il n'est pas là pour se faire voir, il est là pour donner une chance, un espoir à qui? Un espoir à des hommes qui se sentent très seuls, comme Siméon, et c'est le début de l'évangile. Mais aussi à des femmes âgées, complètement délaissées, comme Anne. Il est l'espoir de Anne. Il est l'espoir des sédentaires et il est l'espoir des voyageurs, comme les bergers. Il est l'espoir de ceux qui travaillent dans des boulots administratifs, comme Matthieu, qui sera contrôleur des impôts et qui va pouvoir rencontrer son sauveur. Il est l'espoir de ceux qui sont rejetés. Rejetés comme les lépreux qui sont mis de côté, ou les mendiants. Il va aller les voir, il va aller les toucher. Jésus prend soin de ceux qui sont handicapés, comme ce boiteux avec qui il va dire « Lève-toi !» et il va lui donner la main qui va lui permettre de marcher. Il est l'espoir pour les prostituées, comme Marie. Il est l'espoir pour les policiers, pour les militaires, comme le centurion romain. Il est l'espoir pour ceux qui sont pleins d'argent, comme Jeanne, la femme de l'intendant d'Hérode. Il est l'espoir pour ceux qui sont extrêmement pauvres, comme cette pauvre veuve qui met juste une petite pièce. Jésus prend soin des papas qui ont perdu leur enfant comme Jaïrus. Il prend soin des femmes qui pleurent à la croix. Il prend soin des indécis, de ceux qui ne savent pas se positionner, comme Joseph d'Arimathée. Et il prend soin de toi. Aujourd'hui, en cet instant de Noël, on fête celui qui est venu sur la terre, non pas pour faire un changement politique et pour changer les autres, mais celui qui est venu pour prendre soin de toi et t'inviter à changer. Tel que tu es, il vient, il connecte avec toi et il te propose quelque chose. Est-ce que tu vas le recevoir de façon humaine en disant « Je voudrais qu'il soit politiquement comme moi, qu'il soit de la même couleur, qu'il ait les mêmes valeurs, qu'il ait les mêmes positions » ou bien est-ce que tu dis « Je viens moi aussi vers toi Jésus ».
et je ne rate pas ce rendez-vous de Noël. Parce que ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est moi. Alors il s'approche de toi, que tu sois indécis, que tu sois policier, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois mendiant, que tu sois handicapé, que tu sois rejeté, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois jeune, que tu sois riche, que tu sois qui que tu sois. Il est là avec toi et il dit, je suis le sauveur du monde, est-ce que je serai ton sauveur à toi? Est-ce que aujourd'hui tu sauras reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur? Alors joie sur la terre à tous les hommes de bonne volonté. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Noël, parce que le changement est possible et le changement commence par ton cœur. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Et le ciel est ouvert, et il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qui enchaînait le fer, qui lui dira notre recours. C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Oh, peuple debout, et chante. Cet amour vient te rejoindre, mon ami. On aimerait juste que tu puisses adorer avec nous comme les anges l'ont fait il y a plus de 2000 ans. Tomber le genou, ouvrir notre cœur à cet amour. Car lui seul est digne d'être adoré, les amis. Hey! Alors, on chante ensemble. Je tombe à genoux. Je tombe à genoux.
bleu.